Non mais, eh. Oh fuck! Bonjour, le lag de ta mère. Ah mais voilà! Oh mais putain, mais je suis vraiment nul. Eh mais J'ai pas vu non plus, Non alors... mais. Non mais même. S'il te plaît. Ah oui. D'accord, je viens de comprendre pourquoi il nous donne des bâtons Mojo. Merde! Ah, j'ai mal visé. Bon, on va recommencer. Alors, je disais. Donc, on peut y aller. Aïe! Oh, là, c'était trop tard. 3, 2, 1. Va y arriver à un moment. Oui, ça va. Ok. Oh non! Oh, ils se foutent de moi! Et ils se foutent de moi! Sérieux! Sérieux, ils se foutent de moi! Le jeu, il me déteste! Le jeu, Oh. Il traite de connard, le jeu, tellement il se fout de ma gueule. Alors. Ah, vas-y! Ah, je vais y arriver, hein. Oui! Alors je sais que c'était peut-être pas forcément vital, en plus, ce passage-là, j'espère. Parce que sinon ça veut pas dire que j'ai fait ça juste pour une quête annexe. Mais normalement, si. Hein. Vas-y, puis on verra. Attends, parce qu'il y a cette porte-là aussi. C'est ici pour une quête annexe. Ah ouais, mais là, ici, il faut le champ du temps. Ah là, waouh, comment ils ont abusé! Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'encore une fois, hein, ça, ils ont tout modifié dans cette salle. Normalement, cette salle n'est pas comme ça, dans la version normale. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu auras un petit peu plus de mal à t'y retrouver dans cette version-là, parce que là, en gros, faut le champ du temps. Sauf que le champ du temps, bah, va te faire foutre, je l'ai pas. Oh. Ah non, moi, j'ai que la berceuse de Zelda. Pour que Zelda ferme sa gueule, tu vois. T'as vu comment je monte en mode stylé? Allez! Ça, c'est le style, ça. What the? Sérieux? Oh. Oh, fuck. Tu peux me faire remonter? Vas-y, tire. Et lui, il va essayer de me rendre quoi. Enfin, me vendre quoi, je me rends, laisse-moi. Hein. Bouclier Mojo, de 50 rubis, mais putain, mais les mecs, c'est tous des escrocs, sérieux. C'est tous des escrocs ici. Il a dit combien? 50 rubis? Ouais, 50 rubis, alors, pour un bouclier que j'ai déjà. Hein. Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais moi je te dis, hein. Quand on escroque quelqu'un, on escroque jusqu'au bout. Hein. M'étonne. Ah oui, d'ailleurs. Allez, viens par là. Aïe! Ça fait mal. En fin de compte, j'ai quand même attaqué avec le... What? Comment ça se fait que j'ai récupéré autant de cœur? On peut Super. grimper. Ah, on peut grimper! Vas-y, viens. Ok, on voit rien, c'est génial. Bonne chance. Merci. Merci la caméra, c'est gentil. Ah mais regarde, faut qu'on les récupère tous, tu te rappelles? Les rubis argentés, il y en a plusieurs. Ah oui. Alors ça d'ailleurs, c'est vrai que là, je viens de m'en apercevoir maintenant, mais... Ah yes, cool. Mais tu sais, les monstres comme ça, il n'y en a pas normalement à ce stade du jeu. Ah bon? Ouais, non, non, il y a beaucoup de monstres qu'il n'y a pas à ce stade du jeu, mais qu'ils ont mis dans... Mais que dans Master Quest, du coup, ils ont mis dès le début du jeu.
Bien t'emmerder. Mais parce que à la base, bah, comme je t'ai dit, du coup, si c'est une version difficile, et vu que c'est une version bah, difficile, refaite. En plus, ça à la base, le mode Master Quest, c'est des mecs qui ont modé le jeu en fait et qui l'ont modifié à leur sauce pour le D'accord. rendre plus difficile. Et en fait, ça a été tellement apprécié que du coup, c'est devenu une version officielle. Donc c'est plutôt ça. Oh, oh yeah. Allez, c'est parti. Viens par là. Je vais attaquer ta petite queue là. Tiens! Alors, ça fait mal à la queue, hein? Hein? Hein, mon cochon? Oh fuck! Ça, par contre, faut pas oublier, ils explosent après. Oh fuck! Eh putain, c'est les one shot, s'il te plaît, le bâton mojo! Oh Encore oui! mieux. Non, mais parce qu'en fait, faut... le bâton mojo, il a à peu près la puissance d'Excalibur. Ah. À peu près. Enfin, il est entre les deux, je pense, un truc du genre. Mais bon, en gros, il défonce. Donc, en gros, le bâton Mojo, on n'y pense pas forcément, mais c'est une arme complètement cheatée. À côté, l'épée Kokiri est totalement limitée, quoi. Oh, un coffre. Oh, c'est intéressant, ça, c'est la boussole, je pense. Ce sera pas les bombes. Enfin, si c'est les bombes, c'est cool, mais. Attention. Bon, bah c'était la boussole. Ouais, bah les bombes, c'est bien ce que je disais, c'était à l'endroit là, en bas là. Oh. Du coup, il faudra qu'on aille le récupérer. Bon. Eh, mais d'ailleurs, ah bah oui, on n'est pas loin là, on va y aller, regarde, parce que là, on va avancer. Là, ensuite, regarde, on va aller tout droit. Ouais. Et en allant tout droit, du coup, bah là, ça va nous faire descendre ensuite à peu près vers le bas, au coffre qu'on ne voit pas. D'accord. Parce que tu vois, il est pas apparu. Ok, bah c'est parti. Alors, attends 2 secondes, juste regarder quelle heure il est. Ok. Bon, bah, on va avancer encore un petit peu, parce qu'on va pas faire une vidéo trop longue non plus. Et peut-être déjà bien longue comme ça. Je sais que là, j'ai à peu près la capacité de pouvoir faire 1 heure de vidéo, mais je veux pas non plus faire une vidéo trop longue, même si je sais que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Oh mon On a dieu. combien Oh là? mon dieu, cette salle-là, je la sens pas. Mais bon, m'en fous parce que Link il maîtrise un art martial très puissant. Il s'appelle le Viet Vu Dao. Oh non. Viet Vu Dao. Ça détruit votre cerveau. Ah non, mais J'ai la tellement. chanson dans la tête toutes les nuits, Oh, putain. mais tu m'étonnes. Alors pour ceux qui connaissent pas, eh ben vous irez voir dans la description de cette vidéo, je la mettrai juste pour le lols, parce que cette musique elle est totalement épique, ça veut rien dire. Allez, le Viet Vu Dao. Alors, j'aurais peut-être pas dû pousser ça. Ça, on peut pas pousser, voilà. Comment c'est foutu leur truc? Attends. Ok, est-ce que je l'ai complètement sorti? Ah, mais je peux monter dessus! Oh, mais. Oh là là. Je me disais bien que je pouvais monter dessus quand même. Bon. Ok. Ah, mais. Voilà. Et ensuite, on saute. Voilà. Ensuite, j'entends du feu. Faut le trouver. Ah, je sais ce qu'il faut en faire de ça. Non, non, mais c'est pas ça le problème en fait. Je me rappelais d'une chose, c'est que ces trucs-là, je t'explique, va falloir les positionner dessous les torches. Ok. Parce que va falloir les allumer.
Du coup. Ok, gentileté. Gentileté, gentileté. Je pense qu'on va les récup. Alors en fait, niveau d'épisode, je pense qu'on va aller jusqu'à récupérer les bombes. Une fois qu'on aura Non, pas en récupéré plus. les bombes, on s'arrêtera là et ce sera déjà bien. Regarde, t'as vu la puissance de Link? Oh putain. Tout ça, c'est grâce au Viet Vodao. Jusqu'ici, il fallait se rhabiller. Ah bah carrément, hein. Jusqu'ici, il est tout pourri maintenant. Même son Ouais. Sharingan, face au Viet Vodao, s'il te plaît. Tu te cosplay en... Enfin, tu mets un mauvais cosplay de Albator. Tu maîtrises le Viet Vodao, puis c'est bon, hein. T'as gagné, hein. Ah non, non, mais... Je te dis, moi, c'est véridique. Hop, 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 hop. Alors, viens par là, toi. Merci. Il y en a dessous aussi. Ah mais Natsu lui mais sa technique du dragon de la mormoleux là il peut se rhabiller aussi hein. Le Viet Est Vodao fan de il. Suskiki aussi. Dans la Hein? même coiffure Oh oui en plus il est fan de Sisukiki parce que il va maintenant. adopter sa coiffure, forcément. Mais en secret en fait il est fan hein. Faut Ouais. savoir les gens. Il est fan. C'est du. Il fait du fan service à Sisukiki. Alors attends, c'est quoi tout ce bordel là-bas? Ok, je viens de prendre un cœur que je ne voyais même pas. C'est tout à fait logique. Donc attends, il y a Oui, tout non. un bordel là. C'est la dissidence. Ouvrons ça là. What? Oh fuck. Qu'est-ce qui se passe? Ok, non. Hein? Ok. Les enfants de Goma. Putain, ils sont encore là? Les ovaires de Goma là? Ils sont encore là? Putain, mais il les adore dans la version Master Quest, hein, normalement, les ovaires de Goma, on les croise plus, hein. On les croise que pendant le combat de Goma, hein. Et dans la version Master Quest, je cherche même pas, on en croise partout. Ils sont trop fans des ovaires de Goma. Allez, viens! Allez, viens, toi, je vais te gérer, toi. Tiens! Ensuite. Arme cheatée! One shot, mais one shot! Et one shot même des Dodongo quand même. Hein. C'est quand même la puissance cette arme. Oh, ah bah un petit coffre. Ça va être encore des rubis que je peux pas choper, c'est ça? C'est génial. J'adore ce jeu. Putain, enfin je m'achète une bourse et tout. Putain, mais ouais, mais c'est génial. Et en plus, dans ce jeu-là, ils sont bâtards. Hein. C'est pas comme dans Toy Princess. Hein. Non, non, non. Toy Princess, ça va, il est gentil. Il te dit, oh, bon, si t'as trop de pognon dans ta bourse, bah remets. Enfin, si ta bourse elle est remplie, que tu peux pas récupérer l'argent, bah remets-le dans le coffre, hein. Bah non, dans ce jeu-là, ils te disent fuck you. Dans ce jeu-là, ils te disent tout simplement fuck you. Hop, Tu merci. le prends, mais tu le prends pas comme ça. En plus, la bourse, c'est qu'avec les scutulas d'or qu'on peut les récupérer, si je m'en souviens bien. On peut pas les acheter, genre comme dans Skyward Sword, hein, c'est pas aussi facile. Bah Non, oui. ce serait pas drôle. Ah bah ce sera pas assez drôle, effectivement. Alors, retournons là-bas. Parce que là, du coup, là-bas, on avait débloqué un truc. Mais monte! Merci. Hop. Link, pendant 2 secondes, il s'est dit non, c'est moi qui va contrôler le jeu. Bah non, ça marche pas. Attends. Bah, du coup, là, on avance. Ah, ok, je viens de comprendre. Voilà, hop, on avance. Et ensuite on allume. Et hop là! C'est magique! Toi, je vais te one-shot. En plus d'être Allez. puissante, elle a une meilleure portée d'ailleurs. Parce qu'à côté de ça, forcément, avoir un cure-dent, c'est pas une grosse portée, hein. Non. Regarde la différence de longueur. T'as ça? T'as ça. C'est Voilà. pas Tout est la même dit. chose. Tout est dit. Tout est dit. Enfin, moi, je dis, avec un bâton de manjot, Link, il a quelque chose à compenser.
Tu peux pas me laisser passer, toi, espèce de bâtard? Non, mais. Genre, juste me laisser passer. Vas-y. Meurs. Voilà. Ensuite. Ah, cool. Putain, faut redescendre en bas, c'est ça? Wouah! C'est quoi ça? C'est des milliers de dongo? Ça se pourra en plus. Putain, bah du coup, en fait, on n'est pas rendu à les avoir les bombes. Hein. Non. Ah ah, regarde. Est-ce que ça, faut pas tout simplement le déplacer? Ouais, non, je suis pas sûr. Attends, avant de faire une connerie. Ah, mais. Je suis con. Avant de faire une connerie, mais il y a un truc tout simple à faire. Hop. Hop. Ça prend un peu de temps, mais au moins, c'est facile. C'est juste à l'emmener tout droit. Comme ça, tu vas de l'autre côté avec. C'est tout con, hein. Hop, et ensuite on monte. Voilà. Bah, c'est bien ça. Allez, viens toi. Allez, one shot. Non, non, je vais pas. Bah non, je vais pas défoncer tous mes bâtons mojo non plus. Parce que là, il m'en reste 3 et ça peut encore me servir. Non, non, je préfère. Ça va, si tu fais un coup d'estoc, ça n'a pas une portée de merde non plus. Enfin, j'ai attaqué trop tôt, je suis con. Maintenant! Putain, heureusement que j'ai réagi. Parce que sur le coup, j'ai pas réagi, je me suis dit, merde, non, faut pas que je rate cette occasion. Puis bon, j'ai eu de la chance, c'est passé à la seconde près. Bon, tu viens, toi? Eh oh! Bon, d'accord. Voilà. S'ils veulent pas venir. T'as encore? Putain, les bâtons mojo là, ils sont fans aussi des bâtons mojo parce que le nombre de fois qu'ils te font utiliser entre les ovaires de Goma là, enfin les ovaires, c'est juste les bébés. Mais... Oui, non, mais je sais, je suis dégueulasse, mais ça. Pourquoi des ovaires? Oh fuck! Alors là, combat contre les Alphos. Ah, le double en plus. Putain, je me rappelais plus que c'était dans ce donjon là. Oh oh! C'est la dissidence. Comment tu te prends cher? Donc tu te calmes. Et rien, tu bourrines et ça marche. Bon, allez, viens. Oh, tu m'énerves. Viens par là. Et viens par là. Eh, fils de pute. Eh, fils de pute. Eh, fils de pute. Oui, là, je bourrine. Hein, Ah non, mais tellement. Non, mais là, je bourrine. Hein. Je cherche même pas à me défendre. Mais bon, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est bon. Hein. Eh, vas-y, viens. Oh, comment je t'ai bloqué? Eh, tiens! Allez! Ça, c'est du style. Oh, il disparaît. Tel un fantôme. Tel un 100 bits, il disparaît. Eh. Et tiens! Ah, c'est cool. Ah, je l'ai fini, là. C'était beau. Ah, attends, là, il y a des pierres à exploser. Il y a des choses à aller chercher là-bas. Oh, mais j'ai pas de bombe. Putain, il y a un truc à aller chercher là-bas. Bah, je reviendrai plus tard dans le jeu. Si je vais terminer toutes les quêtes annexes. Je reviendrai plus tard. On va avancer. Je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, quand même. Oui. Et... Attends, je crois savoir ce qu'il faut faire. Non. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je sais pas, c'est de descendre. Ah. Thank you.
Tu m'expliques? Non, parce que maintenant que je comprends pas. Toi là, viens là toi. Attends. Parce que là je comprends pas tout. Parce que là je comprends pas tout. Ok, donc ça c'est bien, ça ouvre là-bas, mais à part ça. Ok, mais c'est bien, mais lui je le touche, mais ça. Quoi? Votre bouclier! Qu'est-ce que tu fais? Votre bouclier! Ça fallait. Oh bah mon bouclier, il est mort. Il ouais. est mort. Non. Cet épisode. Ouais, hein. Cet épisode sera renommé la mort du bouclier Mojo. Pour... D'accord. Oh puis en plus j'ai ouais. que ça, j'ai pas droit au bouclier Ilium. Je pourrais ouais. faire en sorte encore de. Attends, fallait sauter. Ah ouais, tout simplement. Oh putain. Bah j'ai bien fait de tuer le monstre quand même, parce que sinon il m'aurait fait tomber, j'aurais dû recommencer, et puis voilà. Alors attends, là du coup on appuie. On appuie et... Oh fuck. Et... C'est des bâtards. Bon attends, on va attendre que le bouton remonte. Okay. Parce que là le timing il sera pas bon, ça va être tout pourri, ça va faire un truc de... De merde et tout. Parce que là, en fait, faut. En fait, le si tu préfères, le bouton, c'est pour celui-là. Tu vois, bah là, tu vois, il vient juste de réapparaître. Et ça, cet interrupteur-là, juste pour ce... c'est pour le premier. Et en fait, faut les cercles de feu, bah, faut les enlever. Hop. Donc, du coup, faut enlever celui-là en premier. Ensuite, faut appuyer sur celui-là. Et faut courir pour monter. Et ensuite, faut courir. Te dépêche pas, surtout. Bon. Hop, je me recadre. Je me recadre. Hop, on y va. Hop, on y va. Ouh, c'était bon, bon. Synchro. Et puis là, si tu te rappelles bien, regarde la salle où, dans laquelle on a atterri. Le Viet Vodao. Ah. Point de repère, Viet Vodao. Alors, du coup, entre parenthèses, c'est ce qui nous permet ouais, de... Alors du coup, on atterrit là, et là, on va pouvoir péter ça. Tu veux bien péter un jour. Super. Bon, on n'a pas récupéré les bons, malheureusement. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Au pire, j'ai juste pété la porte quand même. C'est la porte qui est juste en bas. Bon, je sais pas. Je sais pas exactement. Yes! Bon, au pire, attends. Je vais run. Est-ce qu'il reste quelque chose à. Ah ouais. Ah ouais, il y a encore des épreuves là. Donc je sens qu'on va encore passer du temps là. Ah, encore tout dépend. Parce que là. La logique de la chose. Faut aller là-bas, faut exploser là-bas. Ok, la porte a explosé. Ah ouais, c'est le bordel là. Ouais. Tu vois, là, il y a des monstres et tout. Ouais, bah, au pire, juste aller voir dans cette salle-là. C'est peut-être, c'est certainement annexe. Ouais, c'est ça, c'est annexe. Ah, ces armes, sûr. Ah mais merde, j'ai plus de bouclier. J'ai plus de bouclier, s'il te plaît. Bah ouais, j'ai plus de bouclier, mais moi je peux plus rien leur envoyer, moi. Ben non. Oh putain. Ah, ils sont pas casse-bure, moi. Pas du tout. Juste un peu. Ils ne sont pas casse-bure. Bon. Bah, on va s'arrêter devant la tête du Dodongo. Parce que le Dodongo, il est stylé. Hop.
Tiens. Là, ici, voilà. Ici, on sera bien. Comme ça, je vais faire une petite sauvegarde rapide. Voilà. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Donc moi, ça m'a plu d'y rejouer. Et puis, n'oubliez pas... combien de temps? Ah, je sais pas. Combien de temps de vidéos j'ai fait, là? J'ai pas calculé, donc ça doit être 40-50 minutes. Truc du genre. J'espère que c'est pas 50, quand même. Enfin, bref, je vais regarder. Donc, et n'oubliez pas que le Viet Vo Dao est votre ami. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas, mais punaise. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Regardez tout de suite, sinon vous avez raté votre vie. Ah, mais attends. C'est le meilleur art martial du monde, le Viet Vo Dao. Mon Dieu. Ouais. Bon, bah moi je vous dis salut à la prochaine vidéo, puis bah Panda Sakura. Salut tout le monde. Puis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.